spectacle de celui-là. C'est un moment d'une haute technicité. Ouais, oh là là. Magnifique. Il en a perdu sa chaussure. Il en a perdu sa chaussure, monsieur Nave. Qui c'est? Nous proposons à toutes les personnes que nous accueillons, que nous hébergeons, de découvrir l'offre sportive d'Emmaüs Solidarité. Donc forcément, il faut pouvoir prendre soin des personnes, la santé est primordiale et pour être en bonne santé, il faut faire du sport. Donc Emmaüs Solidarité propose à toutes ces personnes de faire du sport, parfois de façon plus ou moins importante, c'est-à-dire qu'il faut, tout doit se faire de façon progressive, mais l'idée est bien que les personnes puissent prendre soin d'elles. C'est très important que les personnes qui sont dans nos centres d'hébergement puissent prendre soin d'elles. C'est pas évident pour une personne qui a eu un parcours de rue de se remettre de façon rapide dans le sport. Donc tout doit se faire de façon très progressive. Et c'est pour ça que les travailleurs sociaux d'Emmaüs Solidarité doivent être accompagnés par des éducateurs sportifs qui savent permettre à la personne de recouvrir peu à peu les réflexes qui sont des réflexes utiles pour pouvoir pratiquer un sport. De prendre plusieurs danses et de le faire plus ludique, sans la technique, sans voilà, c'est vraiment juste danser, se faire du bien. Donc la danse est accessible. Si on aime la musique et si on a envie de danser, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Et ça leur permet aussi de faire une activité physique régulière, de leur apprendre en fait, à sortir de... leur changer en fait leur quotidien qui est difficile, mais du coup ça leur permet aussi de faire du sport et d'avoir une activité régulière. Et ça leur fait du bien, du coup il y a une bonne ambiance, ils se détendent. On a des personnes de plus de 15 nationalités différentes sur le CHUM et sur les centres de réfugiés du réseau Emmaüs. Donc on arrive à peu près à tous les toucher à travers le sport. C'est une manière de communiquer de manière non verbale et positive, et une manière de se rassembler, de partager quelque chose de commun. Donc ce que ça peut apporter, c'est tout ce qu'on y met dedans. Le sport, c'est un levier qui peut permettre de travailler sur l'éducation, sur l'intégration, sur l'apaisement des conflits, sur énormément de choses, et c'est ce qu'on essaye de faire au CHUM d'Ivry en ce moment. Oh, 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 vas-y, vas-y, vas-y. Oh, 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 oh.